Salut à tous, c'est Yujimbo et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Pokémon TCG Pocket. Aujourd'hui, 2-3 infos, mais surtout, on va aller faire quelques pack opening sur mon compte free-to-play. Juste avant de démarrer le compte free-to-play, on démarre le compte principal et je tenais à vous remercier sur tous les commentaires. Alors, j'ai fait quelques screens, vous savez, je vous ai posé la question. Quels sont les Pokémon que vous voudriez voir venir sur le jeu? Bon, franchement, je vais vous en sortir trois. Il y en avait énormément. Le premier, je crois que ça a été Rayquaza. Je ne sais pas si je le dis bien. Rayquaza, ouais, on dit comme ça. Mais il y a des cartes juste exceptionnelles de Rayquaza qui sont sorties. Et le Pokémon est incroyable. On a eu aussi pas mal de fois les trois Pokémon légendaires avec Entei, Suicune et Raikou. On a eu ça. Et qu'est-ce qui est Noctalie? Noctalie qui est ressorti, je sais pas combien de fois, j'avais fait pas mal de screens. Noctalie. Qu'est-ce qu'on a vu de Noctalie? Full Shiny, Rayquaza fort. J'ai eu du Zekrom aussi. Rayquaza, ouais, ça c'est sorti, mais tellement. J'ai eu du Celebi aussi. Enfin voilà, il y a eu énormément. Vous avez été énormément nombreux à répondre, donc merci à tous. Donc voilà, j'espère que peut-être que ça va arriver, mais Noctalie, Rayquaza, les trois légendaires, c'est vachement ressorti. Donc écoutez, on va voir. Oh oh, aussi, c'est ressorti. Donc écoutez, on va voir. Hein. Il y a Amphinobi X aussi, j'ai vu. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, nous, on va faire notre petit pack opening déjà sur le compte principal. Il y avait autre chose qu'il fallait que je vous parle, c'était au niveau des sabliers gratuits. J'ai fait une petite erreur. Oh, attention, il y a un booster cornet. Il y a une dinguerie là-dedans. Pas du tout. C'était au niveau de... Hier, je vous ai parlé des sabliers gratuits en vous parlant du pass premium. Mais quelle erreur, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je suis allé dire. Donc oui, on aura des sabliers gratuits avec l'événement de Florizarre. Il y en aura, je crois, une vingtaine. Et vous pouvez avoir des sabliers, donc qui ne sont pas gratuits, avec le pass premium quand vous payez 10€ par mois. En fait, vous allez débloquer des nouveaux événements. Mais ce que je vais vous faire, des nouvelles récompenses. Mais ce que je ferai, je vais vous montrer ça avec le compte sur le petit téléphone en free-to-play. Comme ça, vous allez voir. Au moins, vous allez tout de suite comprendre. Mais oui, c'est pas totalement gratuit. Enfin, c'est pas du tout gratuit, en fait, ces sabliers-là dont je vous ai parlé. J'ai fait une petite erreur. Donc, venez m'excuser. Quoi? Bah, faut prendre celui entre les deux, c'est sûr. Là, il y a quelque chose. Il y a un gold. Pas du tout. Et sur le compte principal, on ne chope plus rien. J'ai l'impression que c'est le calme plat sur le compte principal. On a que dalle. Donc, je vous le disais juste avant... Vous pouvez avoir, donc là je n'ouvre pas de booster, je garde mes lingots et je garde mes sabliers sur le compte principal. Celui-là, c'est celui où je mets un petit peu de sous pour essayer d'avoir la collection complète, mais bon, on n'y est pas encore. Je vous le disais, quand vous allez dans la boutique, c'est la petite erreur que j'ai faite hier, mais en fait quand vous avez date limite et événement, le compte premium, vous pouvez acheter tout ça avec ces tickets. Et on m'avait posé la question, mais comment ça se fait que tu en as 21? C'est parce que j'avais joué... en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, je me répète un petit peu à ce que je vous ai dit. Mais voilà, et je vous avais dit qu'il y avait des quêtes aussi liées à ça, avec l'événement premium qui tous les mois sur Initialid, où vous allez pouvoir choper des sabliers gratuits. Et en fait, quand j'ai dit ça, il y a plein de gens qui ont rétorqué en disant « Mais attends, si c'est un pass premium, c'est pas du tout des sabliers gratuits. » Et vous avez totalement raison, ce ne sont pas des sabliers gratuits. Donc on en aura déjà des sabliers gratuits sur avec l'événement de Florizarre, qui va arriver vendredi. Donc ça déjà c'est bien, mais si vous mettez 10€ par mois sur le jeu, bah vous pourrez avoir ces sabliers liés à des quêtes, des cartes vraiment spécifiques, donc la carte Mewtwo qui va arriver, la promo A là, et après aussi des, des sets, des choses comme ça. Voilà, donc ça au moins j'avais envie de préciser ça avec vous. Juste avant qu'on fasse le pack opening sur le compte du free to play, autre info dont je voulais vous parler qui va arriver juste ici. Bon, bah ça, c'était à la fin que je voulais vous le présenter, mais c'est pas grave, ça sera maintenant. J'avais pas d'artwork qui va vous présenter, mais c'est ça. C'est littéralement ce que je ressens lorsque je lance Sabrina sur l'adversaire, ma carte préférée. Le mec qui sont là en train de jouer aux cartes, tu sais, et qu'il... Enfin, nous, c'est Morgan. Du coup, il arrive, il la pose comme ça. Tâche, allez, on change ton Pokémon et je te défouraille derrière. Enfin, bref, voilà. J'ai trouvé ça assez cool. J'avais envie de vous présenter cette image. Ça m'a fait doucement rire. Je trouvais ça sur Reddit. J'ai trouvé ça assez drôle. Non, mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est le tableau des événements avant que, comme je vous l'ai dit, qu'on fasse le pack opening. Quand la vidéo va sortir, l'événement de feu aura pris fin et l'événement aussi pour obtenir les emblèmes.
Les insignes aura pris fin aussi. Donc ne vous inquiétez pas si vous les voyez plus, c'est tout à fait normal, c'est que c'est terminé. Et comme je vous l'ai dit, le 29, donc vendredi, nous allons avoir l'événement Florizarre qui va faire son apparition. Voilà, ça sera les prochains events. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre chose. C'est déjà pas mal. Écoutez, tous les 6 jours, il y a un petit truc qui se passe. Donc bon, je pense qu'on va tous rouler dessus. Je vous ai présenté dans la vidéo précédente 2 decks, un deck Fast Fire No X et un deck ultra méta avec Dracofeu, Arcanin X et tout. Donc si vous voulez aller voir et vous avez loupé ces decks, n'hésitez pas à aller checker la vidéo, ça pourra vous intéresser. Allez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le pack opening sur le compte Free to Play. Nous sommes partis, je suis en train de record. Donc là vous voyez ce que vous voyez à l'écran sur le côté juste là-bas, bah, c'est ce que vous avez sur mon téléphone. On est parti, j'ai envie d'invoquer sur les boosters Dracofeu, j'ai 379 boosters et je vous le disais tout à l'heure, regardez quand je vais dans la boutique, donc là je suis sur mon téléphone où je fais le free to play en fait, je me suis créé un nouveau compte, vous voyez j'ai pas d'abonnement de prix, j'ai juste roulé sur le jeu grâce, j'ai pas envie de faire d'achat de lingots, grâce à un deck et je vais vous le présenter aussi très rapidement et regardez le premium. Donc là tout ça en fait c'est lié avec les jetons et là je peux rien avoir en fait parce que j'ai pas le premium, j'ai rien du tout. Et on a des quêtes, on a des missions liées à ça. Donc les missions d'événements et regardez tout à droite les missions premium. Et là regardez dans les missions premium vous avez pas mal de choses. Obtenez 77 cartes, on a 2 sabliers. Enfin voilà c'est pas collecter 50 cartes, on a 2 sabliers. Enfin voilà vous l'avez compris, on a pas mal de quêtes qui sont bloquées. Et du coup, après, en vrai, sur le compte Free to Play, je pourrais limite faire 2 semaines gratuits et après couper le truc. En vrai, je pourrais le faire. Mais j'y ai pas pensé, je vais pas vous mentir. Donc écoutez, on est level 13 et j'ai réussi à rouler sur tout le jeu. En fait, je voulais vous faire une vidéo spéciale technique et tout, comment faire un deck ultra fort. Mais peut-être que je vous le présenterai plus tard, je vous ferai cette petite vidéo, je pense, sur un deck Free to Play. Je pense que ça... Dites-moi si ça vous intéresse. Et du coup, ce qu'on va faire, nous, on va partir. Je vais ouvrir du Dracofeu. Pourquoi? Je veux des Pokémon feu. Pour créer un deck vraiment spécial, allez, on veut du Dracofeu, du Sulfura. Ouah, si on pouvait avoir le Sulfura alternatif, ça serait. Enfin, le Sulfura arc-en-ciel. Allez, on ouvre. Il y a que dalle. Ok, bon, pour l'instant, ok, Galopa. Là, ce qu'on veut, c'est du Caninos, du Arcanin. Oh là là, du Fenard, du Goupix. Oh, Fenard, ok. Je l'avais déjà. Oh, j'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose. Hein. Ok. Staros. Oh la vache. Oh, le compte free-to-play, il fait mal. Hein. Oh, imaginez un Dracofeu Gold. Ou un God Pack. Sur un compte free-to-play, ce serait incroyable. Ok. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Gripat, Sablero. Un peu la dèche. Hein. Prisoni. Oh, Auguste, cool. Oh, il y a un truc. Nope, c'est pas le bon Dracofeu. Oh, oh purée, la clim. Oh, la clim des boosters. Oh, la vache. Bon, bah, supprimer le compte. Hein. Oh, nom de Zeus. Oh, la clim qu'on vient de prendre sur ce compte free to play. Bon, en tout cas, ça monte, c'est cool. On a, là, je suis en train de, j'avais envie de dépenser mes sabliers avec vous sur ce compte Free to Play. J'aurais pu attendre la prochaine extension, mais en vrai. Là, par contre, vraiment, j'aimerais bien un ou deux Dracofeu X. Peut-être un Salamèche et un Reptincel supplémentaire pour pouvoir créer ce deck feu pour l'événement. J'avais pas fait l'événement. Je sais pas pourquoi j'ai pas appuyé. My bad. Je pense que si je fais retour, j'ai dû prendre un level. Attendez, est-ce que j'ai pris un petit level? Oui, on en a pris 2, je crois. J'étais pas 12? Non, je passais 14, ok. Allez, 282. Attends, j'ai des missions. C'est quoi ça? Est-ce que ça me donne... pas du tout. On veut des sabliers, s'il vous plaît. J'ai l'impression de redécouvrir le jeu, c'est pas possible. C'est incroyable. Pokémon à grande vitesse. Oh, let's go! On gagne des petits... ok, bon, faut prendre, hein. On prend tout ce qu'il y a à prendre, hein, bien évidemment. Allez, on continue, on veut du pack opening. On veut ouvrir du drac. Purée, je vais faire un x10 encore. Quel enfer. Allez. Let's go. Allez, on a quelque chose là. Purée, je kifferais un God Pack. Je vous jure, avec vous là. Un God Pack. Oh yes! Arc-en-ciel! Oh! Nice, allez. Ah la Kazam. Allez, je veux Dracofeu X. Oh, Reptincène, cool. Ça, c'est cool. Allez, je regarde pas derrière. Noix de Coco X. On s'en fout. Non, je voulais Drac.
Oh! Attendez. J'y ai cru, hein. Ah ça, j'y ai cru. Alors, le pourcentage, il est extrêmement faible, hein. Oh! Oh! Il y a mon chat qui a peur. Viens, mon titi. Viens, mon bébé. Viens là, mon titi. Viens, mon bébé. J'ai fait pari. Mon bébé. Mon petit père. Non, j'ai fait une dinguerie. Je vous jure, j'ai fait une dinguerie. On a Dracofeu Gold. Regardez les ailes. Sur le coup free to play. Oh, sur le compte free-to-play. Oh, la dinguerie. Oh, en plus, et c'est pas, c'est, je vous ai pas dit, je kifferais trop. Oh, le cool. Oh, le cool. Attends. J'ai peut-être Sulfura, là. Ma cognerex arc-en-ciel. C'est quoi cette ouverture de port sur ce compte free-to-play? Oh, il est incroyable. Oh Erika. Attends, on vient faire une gold et une arc-en-ciel dans un pack à 10. Et je me plaignais juste avant. Attends, il y a encore un truc, non ou pas? C'est quoi ce pack de porc? C'est quoi ce pack de porc? Dracofeu Gold, Maconior, non mais c'est incroyable. Best compte free to play. Hein. J'ai pas mis une thune sur ce compte. J'ai pas mis une thune. Oh la vache. Oh le compte de... Oh, incroyable. Oh la vache. J'espère, et j'espère que vous avez tombé sur la vidéo quand même, puisque l'ouverture elle est quand même folle. Hein. Allez, on... Et alors par contre, il me faudrait du coup un... Là, il me manque un Dracofeu X normal ou un full art. On dit pas non. On vient d'avoir le gold. Bon, là, il y aura rien. Il y a un truc. Il y a un hit. Ok. Une... Oh, j'ai... c'est bon, j'ai mes deux. Ça... Oh, je vais faire un... Oh, je vais me faire un deck. Oh, le compte free to play, il va être plus beau que le deck. Le deck du... Ah, c'est incroyable. Puis on a fait... Et on a sorti Dracofeu Gold. Incroyable. C'est une dinguerie. Ok. En fait, j'ai vu les ailes sur le truc gold. J'ai dit, bon, c'est bon, c'est bon. Salamèche classique. Bon, on a les deux. On a deux salamèches à air, donc c'est cool. Oh là, je... Miaouss, je l'avais pas? Elle est stylée, celle-là je la trouve trop belle, un petit côté parisien je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, on a fait une ouverture de fou. Hein. Pff, oh le pack à 10. Et là c'est la clim derrière. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste en booster à ouvrir? C'est une dinguerie. Oh la... Mais la claque! Le Dracofeu qui pop comme ça, dans le plus grand des calmes. Et en plus, on la colle, hein. J'avais dit, ce serait bien un petit Dracofeu, ce serait cool. Bah, il m'en manquait un, par contre. Je vais peut-être en acheter. Non, je vais pas en acheter, en vrai. En vrai, je vais pas en acheter. Je pense que je vais essayer de me faire les trois oiseaux légendaires aussi sur ce compte-là. Sur le compte free-to-play. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh. Je croyais que j'avais fait les 151. Pouah, le Dracofeu Gold. C'est une pépite, en vrai. C'est une pépitasse. Terminé. Ah, mais j'ai peut-être un deck de prêt, en vrai, avec le deck de prêt. C'est cool. Ah, parce que j'ai eu un Dracofeu X, il me donne le deck. Ok, j'avais zappé que c'était comme ça. Terminé. Oh. Moi, en vrai, je peux faire ce deck, du coup. J'ai peut-être ce qu'il faut. Ah non, il me manque quelques trucs, je crois. Ok, bref, on s'en fout. Qu'est-ce que 54, ça me permet d'ouvrir encore quelques boosters, ça. Allez, on va tenter. En vrai, je fais full pack opening, j'ouvre tout, j'ouvre tout. On ira revoir un petit peu le Dracofeu Gold après quand même, histoire de flex un peu. Oh la dinguerie, vas-y, on s'en fout des... Oh yes. Attends, c'est Drac ça? C'est Drac ou Sulfura? Oh oui. Oh, mais... Monsieur! Le col du Dracofeu! Oh purée, mais c'est... Ah, la chatte à Mireille, quoi. Excusez-moi, mais j'étais obligé de le dire. Oh, le compte. Bah, hey, franchement, ça arrive nickel pour l'event. Hein. Donc, j'ai mes deux Drac. Je crois que j'ai eu Reptincelle. Donc, je crois qu'il manquera. Par contre, je crois qu'il manque un Arcanin X. Un peu dommage. Allez. Pff, oh, la dinguerie. Oh, le pack opening, il était incroyable, en vrai.
Je suis trop content. Je suis vraiment content de l'avoir fait en plus avec il vous soit partagé parce qu'on a vraiment eu beaucoup de chance. Je sais pas quel type de vidéo je vais mettre. Faut que je vous mette un truc où il faut que vous veniez pour voir ça. Je vais pas faire du putaclic parce que j'aime pas faire ça. Et vous le savez, il y en a qui disent que j'en fais, mais c'est pas du tout mon but. Mais je vous jure, faut vraiment que vous veniez voir ce pack opening. Enfin, j'espère. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu. Bon, là, je pense qu'on n'avait plus rien à voir, hein. Forcément. Là, on a tout explosé. Le petit. Voilà, dinguerie. Oh, c'est un truc de fou. Je suis trop content. Je suis un vrai gamin. Je suis un vrai gosse. Compte free to play, bien rentable. De toute façon, là, on va continuer d'économiser là-dessus. Et je vous referai un pack opening. Bon, allez, hop. Paf. Paf, je pense qu'il n'y aura rien dans celui-là. Ouais, peut-être, c'est quoi au fond? Ponyta à la Kazam. Et ben voilà, on termine ce pack opening. Là-dessus, on va flex avec notre Draco Feu Gold. On va terminer quand même là-dessus. On va aller le chercher, on va aller le regarder un peu. Histoire de s'émerveiller devant cette beauté. Il est où, Pépère? Il est pas là. Il est où? Pas là. Mais il est où? Pas là. Bah, il m'en manque un. Là, il me manque un peu de cartes. Hein. On n'est pas. Oh, oh, mais attendez déjà. Celui-là, il est incroyable. Le Maconior X, ça, lui, je l'ai pas sur mon compte principal. Hein. Il est insane celui-là. Et ensuite. Mince. Et ensuite, tac. Tac. Comme ça. Oh là là. Oh la pépi. Oh la vache. Regardez-moi ça. Le petit éclat sur les côtés. Beau tourbillon. Pardon. Non, mais il est beau. Il est vraiment, vraiment beau. Autre petite chose. Petite astuce avant qu'on se quitte. Est-ce que vous saviez que quand vous alliez, par exemple, dans vos cartes, vous prenez vos doigts. Parce que là, je peux vous le faire. Parce qu'on est sur l'écran tactile et vous faites ça. Attendez. Hop. Attendez, je vais y arriver. Hop, ça marche pas sur ce téléphone? Ça marche que sur ma tablette? Incroyable. En fait, je crois que quand tu pinces ou tu fais un truc, ça te... Je sais pas faire. Ça ne marche pas sur ce téléphone. Quelle angoisse. Attends, si je fais... c'est peut-être là. Voilà, c'est là. My bad, j'étais sur le mauvais truc. Regardez comment c'est stylé. En fait, vous pincez vos cartes. Vous faites comme si vous faisiez... Vous... Bah, attends, je vous montre là. Hop, voilà. Comme ça, vous voyez l'animation en double. C'est pas beau, ça? C'est stylé, hein? Bon, ça sert à pas grand chose, mais au cas où, s'il y en a qui veulent flex avec ça, ils me diraient, hey, regarde ce que je sais faire. Bon, allez, je vous quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi ce pack opening. J'espère que vous l'avez kiffé. Bah, moi, je l'ai bien kiffé en tout cas. Je vous fais à tous des gros bisous. Portez-vous bien. Tchuss.